Les amis, bonjour. On a quitté Le Mans pour arriver à Tours. On redescend dans le sud à l'agence de province. Donc, on arrive sur un chargeur V1 avec une batterie qui est à 50%. Donc, on va pas charger dans les meilleures conditions. Mais on va vous montrer ça. Là, on est dans cette ville. Donc, tant qu'à faire, autant s'arrêter vite fait pour recharger un petit quart d'heure. Donc, on a consommé la moitié de la batterie. Et donc, je sais plus ce que vous dire. Si on va découvrir ensemble ce petit chargeur de Tours qui sera forcément moins bien que celui-là du Mans qu'on a testé Dans hier, qui 200 était un mètres, V3. entrez dans le On va vous carrefour montrer girouette, ensemble prenez la deuxième à quoi sortie. il le ressemble. Voilà, on arrive au chargeur qui est situé dans un hôtel Les Collectionneurs qu'on a pu tester encore cet été. Très bel hôtel en général. Et surtout, là, on est sur un V1, donc on ne se met pas à côté du confrère. Pause. Donc on est branché, on a une charge. Et alors? Ah, ça démarre. Donc on va voir, on ne devrait pas dépasser les 70 kW à mon avis. Sachant que n'oubliez pas que la Tesla charge à 170. Alors. 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 50 kW. Ça va peut-être monter à 60-70. On va rester ensemble 2-3 petites minutes, le temps que la batterie chauffe. Mais vu qu'on a plus de 50%, voilà. Par contre, vous voyez, il y a déjà une autre Tesla qui arrive. Oui, parce que Tesla, c'est quand même un modèle FX, FS. Donc, il est avant moi. C'est une voiture un poil plus ancienne. C'est une 2020, parce qu'il est chromé, le monsieur. Je vous le dis en tant que Sherlock Holmes, je vous rappelle. C'est un homme petit, chinois, avec quatre femmes. Je pense qu'il est polygame. Voilà, c'est un monsieur comme ça. La plaque s'appelle AF 354 256 22 36 BD. Voilà. Si vous faites partie de ce couple polygame, ce gars très proche de nous, il sait que je suis détective, il va nous casser la gueule. Il a sorti un fusil. Voilà. Il a fait des choses bizarres sur sa voiture, sur sa porte. Regarde. On dirait qu'il y a un serpent collé à la porte. Qu'est-ce qu'il a foutu sur sa porte? Bon, bref. On ne regarde pas les gens. Ce sont des gens dangereux. Voilà. 53. 53. On charge très lentement. Bon les gars, nous on fait pause et puis quand même on arrête la vidéo et puis t'as filmé un peu l'environnement ou pas? Non? Alors je vais leur montrer vite fait parce qu'il y a quand même à côté le parc de Lulu. On est quand même hôtel des collectionneurs. Fabuleux. Petit chemin qui nous permet de descendre au fin fond de je sais pas où. Ça pleut vite, tiens. Et là, il y a donc la guinguette de chez Lulu, qui est visiblement un petit concept de loisir. Et cet hôtel qui a l'air magnifique, complètement paumé en haut.